Bonjour mes amis, je m'appelle André Lobov, je représente la société Steam. Je veux partager avec vous les dernières nouvelles qui sont très intéressantes à mon avis. Nous avons développé un kit léger qui vous permet d'installer ce beau moteur DA90SM. Vous voyez qu'il a déjà un refroidissement, donc qui vous permet d'installer ce moteur sur n'importe quelle technique légère. Sur les tricycles, sur les motos, sur les chariots automoteurs. Qu'est-ce qui est inclus dans ce kit? Ce kit comprend bien sûr ce beau moteur DA90SM. Vous pouvez voir que nous y installons un ventilateur de 800 watts pour le refroidissement. C'est-à-dire que si ce kit est envoyé dans des pays chauds, nous insérons le ventilateur juste au cas où il n'y aurait pas de surchauffe. Le câblage y est également inclus. Qu'avons-nous fait avec le câblage? Toute la technique est différente. Nous ne pouvons pas deviner la longueur des fils. Par conséquent, nous installons de tels connecteurs. Ils sont résistants à l'humidité. Ils sont utilisés à l'automobile. Ainsi, tout le kit est assemblé sur de tels connecteurs. Il est donc possible d'allonger le câblage. C'est-à-dire que le kit fonctionne, que le moteur fonctionne, mais que le câblage peut être allongé à la longueur souhaitée. Également, ce kit comprend un convertisseur DC-DC de la bonne puissance, celle qu'on nous commande. Il y a un contrôleur qui contrôle ce moteur, un bouton de gaz et un interrupteur avant-arrière allumé à tendre. Je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, l'essentiel. Qui a commandé ce kit? Ce kit a été commandé par nos partenaires de Sri Lanka. La situation au Sri Lanka est la suivante. L'écologie soulève de nombreuses questions, car il y a une très forte fumée de la technologie, de l'essence, des moteurs à combustion interne. De plus, il y a le manque de matériaux combustibles utilisés par les moteurs à combustion interne. Cela devient très cher. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Lorsque nous avons assemblé le kit pour l'Inde, pour le Bajaj Maxima, il s'est avéré que ce moteur permettait de rouler à une vitesse de 20 km à l'heure sur des panneaux solaires de 600 watts. C'est-à-dire que ce kit, s'il utilise des panneaux solaires, vous permet de ne pas vous rendre à la prise, mais de charger l'équipement du soleil. Même avec le soleil de près de Moscou, je ne suis jamais arrivé à la prise. C'est-à-dire que la batterie a toujours été chargée. J'ai parcouru 50 à 75 km par jour. La batterie était toujours chargée et j'en avais assez pour la journée. Lors des essais, je pouvais parcourir les distances dont j'avais besoin en tricycle. Hier, nous avons emballé ce kit dans une boîte en bois solide et l'avons remis à notre partenaire Rupa Siri, qu'il a envoyé par la poste de Russie dans son pays d'origine. Bonjour, nous sommes le 2 mars, c'est le printemps, il y a du soleil. Malgré le fait que des événements tristes se produisent, aujourd'hui nous voulons envoyer notre kit au Sri Lanka afin que notre pays, tous les tuk-tuks qui fonctionnent de l'essence, du diesel, puissent les passer à l'électricité. Cela aidera d'abord l'atmosphère, l'environnement, cela aidera également l'économie, cela aidera dans différents domaines de l'économie. Et c'est pourquoi nous faisons le premier pas aujourd'hui. Nous envoyons l'âme de ce kit, le moteur, et le reste des pièces ira plus tard. Maintenant, nous sommes près du bureau de poste. Nous venons d'envoyer notre kit.
И дальше пойдут и остальные детали. И сегодня мы стоим у почты. Мы только что передали, чтобы отправить на пути. Bien sûr, nous allions d'abord utiliser des panneaux solaires pour vérifier si nous pouvions travailler entièrement à l'énergie solaire. Et je suis sûre à 90% que nous y arriverons. Par conséquent, ce sera un mode de transport respectueux de l'environnement. Et bien sûr, en commençant par le transport à trois roues, nous pourrons ensuite passer aux vélos électriques, aux motos électriques. En outre, il y a un océan et des bateaux au Sri Lanka. Et étape par étape, nous voulons passer complètement à nos moteurs. Электровелосипеды, электромотоциклы, и также есть в Шри-Ланке вокруг океан, и есть также лодки, и шаг за шагом мы хотим полностью перейти на наши моторы. Et ainsi, en commençant notre projet, nous voulons d'abord aider l'écologie dans notre pays. Nous sommes également confiants que nous obtiendrons des avantages économiques. Notre projet aidera beaucoup dans tous les secteurs pour compléter l'économie. Et bien sûr, cela nous aidera à développer l'amitié entre la Russie et le Sri Lanka. И, конечно, тем самым это поможет нам развивать дружбу между Россией и Шри-Ланкой.